Dis-moi bonjour. Salut messieurs, dames. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Salut messieurs, dames. Pour cette vidéo, je vais vous emmener avec moi pour l'organisation d'un festival. Il se trouve, pour ceux qui suivent la chaîne, qu'on a monté une association avec tous les acteurs du spectacle vivant du Sud Touraine. Pour ceux qui suivent la chaîne, on avait fait des rencontres pro déjà le 1er avril. C'était notre premier événement. Et là, c'est le gros dossier de notre première année d'activité. On a organisé un festival. Et il se trouve que dans ce festival, bah, je serai autant artiste que technicien, que mec à la buvette, que mec à la billetterie. Il va falloir qu'on fasse surveiller les passes aussi, sanitaires, tout ça. Bref, je vous emmène avec moi, c'est parti. Dites bonjour à Laetitia et à Florian. C'est les abonnés de 507h, ils vont vous voir. Bonjour les abonnés de 507h. Ça y est, il commence à venir nous filmer la gueule ce matin. Ça y est, il commence à venir nous faire chier. Ça, c'est David. Là, lui, vous allez le voir. Là, vous allez le voir tout le week-end. Vous allez voir, il va gueuler tout le temps. Lui, c'est Max, il va s'occuper des lumières. Pareil, vous allez le voir tout le week-end. Et pareil, comme David, vous allez le voir gueuler tout le temps. Ouais, exactement. Ne me fais pas chier, toi. Je vais rompre un petit peu la chronologie de cette vidéo en vous annonçant dès le départ que parmi toutes les choses que j'ai appris pendant ces 4 jours de festival, ne jamais oublier sa caméra sur les lieux du concert le soir et la caméra qui tombe entre les mains des techniciens. Ne faites jamais ça. Non, on va te filmer que des trucs cool, Franck, tu vas voir. Regarde, un rouleau de sopalin. Voilà. Le bazar, un petit sac d'une voilà. Confidente. Voilà. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Putain, oh la vache. Ah, il y a du pain. C'est intéressant. Hein. Alors, on est sur les lumières. Je vais vous montrer un peu tout ça. Là, vous avez un PC. Et en fait, vous voyez, là, il y a marqué 6, 7, 8... 9. Après tout ça, c'est ce qu'on appelle le plan de feu. Et ça, on le retrouve ici. Vous vous rappelez les numéros 5, 6, donc le 6 de l'ordinateur, il sera ici et il est branché ici. Et donc, si vous regardez, il est relié à ce projecteur-là. Donc, en régie, ils auront accès à ce projecteur grâce au logiciel qui est là-bas parce que tout est patché correctement avec des numéros. Et merde, ah, ça c'est pas normal parce que je filme, ouais, forcément ça marche pas au moment du film. Non, mais je sais pas ce que je fais de toute façon. Tu sais pas, ah bah ouais, non, moi je j'ai un okay, jour il y a un mec qui m'a dit, tu fais de la lumière, ah oh, ouais, et du coup, bah les gens y croient en se disant que la batterie on peut la descendre un peu plus qu'il est assis, oui. La basse, c'est qui est face, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui est grand ou pas? Non, non. Ne filme pas. Non, il n'est pas très grand. Damien, il est tout petit, tu veux dire? Non. Tu as dit que c'était un nain. Non, ah, il a la taille de Franck. Il est 14h30. On a fini d'installer la salle. La salle qui accueillera les spectacles vendredi. Et je suis mort, je suis cuit mes amis. Clairement, je me rends compte à quel point c'est fatigant d'installer une scène, de brancher les lumières, de tout préparer. Et à quel point nous, on est privilégiés quand on est artiste. Clairement, on arrive, il est 16h, 17h, tout est branché, tout est prêt. Et là, avoir bossé de 9h jusqu'à 14h30 pour installer ça, je me rends compte à quel point c'est dur. Et donc là, je rentre, je vais réviser mon spectacle pour demain et également répéter pour ce soir, parce que j'ai un spectacle ce soir. Là, c'est grosse journée quand même. Oh, un tuyau d'arrosage, regarde. Regarde. Qui c'est qui s'est joué de la flûte? Regarde, on en est rendu, David il en peut plus, il est en train de jouer du djembé sur un saut. Ah ouais, pour le canon, il faudrait que
cul. Ok, on est jeudi matin, je viens d'arriver sur le lieu, c'est magnifique, mais il pleut, hein, il pleuviote un petit peu. En gros, les techniciens, ils ont dit, s'il commence à pleuvoir et que tout est monté, on est obligé d'annuler, on prend pas de risque, on va à l'intérieur. Je vous fais visiter. En vrai, je vais vous montrer où on aurait dû jouer. Il y a deux spectacles. Le premier spectacle va jouer ici et après on va dire aux gens de changer leur siège de côté et mon concert va démarrer ici. Malin, hein? Ok, c'est parti pour le troisième jour, 9h du matin. Le concert d'hier s'est plutôt bien passé. Et là, on est avec Aurélie, jour numéro 3. Du coup, ce soir, c'est l'affaire Capucine. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est l'anniversaire de Damien. Donc là, on vient de s'en rendre compte. Donc j'ai pris une banderole, joyeux anniversaire. On va lui faire plein de surprises, ça va être trop cool. Et c'est parti, on va monter la scène pour le concert de ce soir. Regardez-les, comme une journée de 15h mercredi, une journée de 15h jeudi. Et là, on est vendredi, il s'attaque à une troisième journée de 15h. Et il a le sourire. Putain. Tu le mets à rein, Max ? Non, tu le suspends sur les langues. Il y a la frise devant. Ah, pardon. Midi. C'est qui ça? Ce plan va être ridicule. Ouais, complètement. Je pense que ça va être le plus ridicule. Je suis en train de parler au Franck du montage. Franck, ne fais pas de conneries, ne prends pas ce plan-là. Bon, alors Romain, qu'est-ce qui nous arrive? C'est la merde, mon général. Normalement, ce petit truc de l'affaire Capucine, là, ça s'éclaire avec des LED. Ça marchait pas, on a fini par comprendre qu'il y avait un court-circuit là-dedans qui avait complètement foutu en l'air l'alimentation qui est là. Cette AIM ne marche plus parce qu'elle a été grillée à cause du courjeu qui est là. Donc il a fallu dessouder ce machin là, il faut refaire des soudures. Et puis là bon, on va essayer, on va bien voir. Faut que j'arrive à le toucher, on se bloque. Ouais, c'est ça qui fout la merde. Ouais. C'est ton petit machin là. C'est ça? Ouais. Ça enregistre, là? Ah oui, ça enregistre les conneries pour un peu. Oh, c'est génial, je pense que tu vas t'éclater, Franck, avec ces rushs-là. Tu vas pas te faire chier, là. Et est-ce que vous croyez que ça filme en macro dans le noir? Ça? Non. Non, je sais pas. C'est pas ma gorge. Ok, ce soir, c'est l'anniversaire de Damien. Donc j'ai prévu des petites guirlandes dans mes chaussettes que je vais enrouler autour, comme un sapin de Noël, autour de son stand de guitare avec boule de Noël et le petit cadeau. Ah, à tout à l'heure. Regarde, celle-là, elle est vraiment formidable. Donc là, vous voyez, vous avez le rideau qui est là. Et mon pote Romain, il a accroché son costume ici, là, tout à l'heure. Sauf que entre temps ils ont monté le rideau et du coup le costume de Romain il est là. Voilà, bon bah bon courage Romain. Aujourd'hui, le festival, il a lieu ici. C'est à Perrusson, c'est une ville à côté de Loche. Et ça va jouer là-bas, ça va jouer un peu partout. Là, on est en train de monter la buvette. Un des trucs qui est super compliqué, c'est qu'il y a 4 jours et 4 lieux. Donc tous les soirs, on doit tout démonter pour remonter dans le lieu du lendemain. Assez compliqué. Ok,
Camille, les abonnés 507 heures, ils te connaissent parce que tu es la violoncelliste de l'affaire Capucine, mais ce soir, tu es qui ? Ce soir, je suis la violoncelliste de la compagnie Quart de Soupe, parce que je bouffe à tous les râteliers. Putain, faut que je démarre l'Apollo lundi, moi j'ai plus de... J'ai coupé le catalyseur, je l'ai filé à une copine qui s'est fait piquer le sien. Là. Il n'y a plus de pare-choc, il n'y a plus de catalyseur. Je suis en train de vendre des pièces. Merde, ça clignote en rouge. Allez, ça vous dévise, ça prend des vidéos. La batterie, elle est rouge. Eh ben, va s'éteindre. Ben voilà. Et ça, il va arriver demain, putain. Plus de batterie, carte SD pleine. Oh merde. Son con, c'est non, ok, vous voyez, pendant qu'il y a un spectacle qui se joue. Il est encore là, lui. Eh bien, il y a un autre spectacle qui se prépare parce que. Chez Arter, on a rentabilisé le temps. Donc là, normalement, si tout se passe bien, quand les gens vont sortir du spectacle de là-bas, ils vont arriver et là, ça va démarrer. Et le spectacle qu'ils vont voir... C'est la Lilo, c'est la création d'un certain Christopher Lacassagne que vous avez devant vous. Voilà. Et oui, vous avez cet honneur. Et il installe les chaises et là, je vais poser la caméra parce que avant d'être un caméraman, je suis un bénévole d'Arter. Voilà. Allez au charbon. Et au boulot, voilà. J'adore ta coiffure à Cindy, les gars. Bon, Arter, on l'a fait ou on l'a pas fait ce festival ? Putain ! Voilà ! Ah, ça y est, voilà le camion !